Hello, voici une vidéo sur mon tout premier projet Cricut. Donc, cette idée m'est venue de cette petite carte qui contient la signification de mon deuxième prénom, qui est Louise. Je l'ai toujours adorée, mais je la trouve un peu vieillotte, donc je me suis dit que ce serait pas mal de la remettre au goût du jour. Donc, j'ai décidé de faire une plaque en acrylique avec, du coup, la signification du prénom Louise. Donc, pour ça, je suis allée dans Canva. J'ai fait un petit modèle qu'ensuite j'ai transféré dans mon espace Cricut Design Space. Donc là, comme vous le voyez sur le S, j'ai galéré un petit peu parce que je ne sais pas pourquoi je soudais tous les éléments pour pouvoir les transformer en éléments de découpe. J'ai vraiment galéré pour faire en sorte que toutes les lettres soient bien visibles, pas les unes sur les autres. Ensuite, j'ai enfin réussi. Du coup, j'ai envoyé tout ça à la découpe. Donc, ça a mis peut-être 10 minutes, 15 minutes. Donc là, la découpe est faite. Ensuite, là, je passe à la partie, on va dire, décollage du vinyle. Donc là, la partie sur mon prénom, le prénom et le titre, donc origine et signification, je l'ai faite en premier, sans faire le texte d'abord. Donc là, je décolle les éléments pour pouvoir les coller sur ma plaque en acrylique. Du coup, là, je retire les petits bouts d'acrylique, de vinyle, pardon, qui sont restés coincés entre les lettres. Et là, je passe au texte. Donc là, j'ai d'abord collé le texte sur le papier transfert. Et quand je suis sur le papier transfert, j'en profite pour retirer les petits bouts de vinyle qui restent à l'intérieur du O, du E, du G, enfin voilà, les lettres un peu arrondies. Donc là, c'est pour un tout premier projet, je trouve que je m'en suis pas mal sortie parce que c'était super galère en fait de faire tenir des petites lettres. Déjà, même pour les couper, c'était pas évident. Donc là, j'ai réussi à les coller. À la fin, j'ai rajouté deux petites fleurs parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc pour combler tout ça, j'ai redécoupé avec la Cricut de deux fleurs identiques à celle du dessus que j'ai collé à la fin du texte. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, je retire du coup la protection de la plaque acrylique. Et là, on commence à voir le résultat qui est plutôt pas mal. Et voilà, ça donne ça. Donc des gens mettent de la peinture derrière parfois. Moi, j'aime pas. Enfin, j'aime bien avec la peinture. Mais là, je trouve que pour ce modèle, c'était plutôt pas mal comme ça. Et je trouve que pour un tout premier projet Cricut Acrylic Sign, ben, je m'en suis pas mal sortie. Donc voilà, je vais essayer d'en faire d'autres pour pouvoir m'entraîner et bien sûr prendre la main avec la découpe de petits textes comme ça. Parce que me connaissant, c'est tout à fait le genre de projet que j'aimerais mettre en place. Donc voilà, merci d'avoir regardé et puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo.